Hello les amis, c'est Chotedrim, j'espère que vous allez bien, c'est parti pour un nouvel épisode du Wedding Beach Challenge. Et on s'était laissé la fois passée, on avait essayé de rattraper un petit peu les fails qu'on avait fait, on a encore les petites décorations de Noël je pense pour aujourd'hui. Puis après je pense que bah, prochain épisode je vais les retirer parce que voilà, ça sert pas grand chose. Hein. Donc on s'est arrêté la fois passée sur Miana qui fait du sport, qui a tenté de se rattraper auprès des gars où il y avait eu des... À Noël, vous avez vu, on a fait une fête de Noël qui était totalement nulle. Je sais pas ce qui se passait, Miriana a flotté avec Malcolm, je crois, devant les eaux. Donc du coup, ça a créé des grosses bisbrouilles. Donc voilà, on a essayé de rattraper le truc. On a plus ou moins rattrapé le tir. Donc on va vraiment essayer de grimper nos sentiments avec Travis. Donc voilà. Par contre, ici, je vois que chasse à la taupe. L'agent se rend compte qu'il y a des taupes au sein de l'organisation. Malcolm ne fait pas partie des suspects. En fait, il est choisi pour trouver la taupe. Doit-il trouver le bouc émissaire pour protéger sa couverture ou en faire... toi, bouc émissaire. Ouais, parce que Malcolm est comme ça. Ok, nickel. Donc, qu'est-ce qu'elle veut faire, elle? Ça va, elle se sent... Ouais, ah ouais, elle a mal au dos, hein. Donc, on va essayer donc de rattraper le truc avec... Enfin, de... Ah, super! Super! Attendez, attendez! Directeur régional! Écoutez, promu directeur régional, gagnera de mes 26 plus de plus de la part de... Ok. Oh, des nouveaux vêtements! Et des interactions proposées, des conseils professionnels! C'est magnifique, ça! Oh, quel mec! Et il est comment? Oh my god! Oh là 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 là! Oh là 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 là, ça mère mes aïeux, qu'il est beau! Qu'il est beau! Qu'il est beau! Qu'il est beau ce reine! Désolé, non, je vous troll. Qu'il est beau Alexandre! Ah oh là, dans son petit costume là! Ah, moi ça m'émoustille toujours, hein, des hommes comme ça en tenue comme ça, costard, ça m'émoustille toujours, je dois dire, je dois avouer. C'est là qu'en convention, il y a des abonnés, des mecs qui vont se mettre en costume comme ça. Ça pourrait être drôle. Ne le faites pas, ne le faites pas. Donc, mon Dieu, qu'est-ce que je vous dis comme merde, moi, sainte mère. Donc, Alexandre, hashtag content. On a chopé des trucs. Ça, c'est super. Moi, j'ai les gars. On a plein de fric. So much flouze, moi, je vous le dis. Je crois que j'ai très envie de faire un bureau pour Alexandre. Mais vraiment un vrai bureau de directeur. Vraiment ce bureau. Et donc, on a plein de fric les gars. Sérieusement, on a plein de fric. Ouais, on va faire un truc bien. On va un petit peu changer ça. Enfin, on va pas mettre un vrai bureau là, Alexandre. Mais on va mettre... Voilà, on va un petit peu déjà mettre ça là. On va rajouter un petit bureau ici pour les Sims qui ont envie de jouer à des jeux vidéo ici en dessous. Hop, surface. On va mettre un petit bureau... c'est quoi ça? J'avais pas ce bureau avant. Ok. Bon. Nope. Ah ouais, ça c'est beau ça. Ça c'est un joli bureau. Avec un bel ordi les gars. On va pas se priver. On a plein. Non, électroménager bien sûr. On a plein de fric donc on va vraiment prendre une belle bête. Hein. Voilà, hop, une belle bête. Et confort. Une jolie petite chaise de bureau. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est bien. Donc ça c'est le bureau pour tous les gars, ceux qui veulent jouer. On a le petit bureau d'Alexandre et j'aimerais bien faire un grand bureau. Donc vous allez dire qu'on a une pièce là. Ouais, je crois que je vais rester avec juste 4 Sims, ça pourrait être bien. Donc je vais peut-être déménager la pièce de Don. Je vais peut-être déménager la pièce de Don et faire vraiment un bureau pour... Bien non, ça sera un bureau pour tous les gars. Ça sera un bureau pour tous les gars. Oui, ça sera pour tous les mecs. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, cette idée me plaît assez, voilà. Voilà. Ce sera un bureau pour tous les gars. En fait, regardez même ce que je vais faire. Je vais même carrément mettre le truc ici. Hop, mettre ça là. Voilà. Je
pas ce que vous en pensez, genre de petite salle, pas, je peux dire de loisirs, mais Oups. Non, ça sera vraiment pas de loisirs, mais... Bah écoute, pourquoi est-ce que ces chaises ne viennent pas avec? Parce que ce ne sont pas des bonnes chaises. Parce que ces chaises ne m'aiment pas. Qu'elles veulent foutre la merde. Donc il me faut d'autres chaises. Oups. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme chaise sympa? Hop. Ouais, celles-là, elles sont cool, voilà. Voilà, il me faut un petit bureau. Belle chaise de bureau. En fait, il faudrait la belle chaise de bureau, astronaute. Oh, je veux cette chaise de bureau. On va prendre toujours celle-là. Et surface, the beau bureau. Ici. Oh, voilà, ça c'est the... Non, c'est pas beau. c'est bureau. Ah bah non, c'est moche. Comment est-ce qu'on le débloque, celui-là? Ça, je vais le laisser à Trévis, je pense que je vais le mettre à Trévis. Celui-là, je l'aime bien. Attendez. Oui, ces posters vous disent vraiment quelque chose, c'est normal. Ah, oh, c'est super ça! On peut mettre des choses là au-dessus. Ah, j'aime bien. Ah ouais, non, regardez, ça le fait trop, hein. Et je vais voir pour mettre des décos au-dessus, alors. Non? Je vais mettre ça ici. Le petit... What the fuck? Mettre des décos ici, ça peut être chouette. Améliorer encore la maison. Hop. Qu'est-ce qu'on a de bien ici? Ouais, on a Iron Man qu'on va ajouter. Je vais ajouter Iron Man ici. Non? C'est un vrai geek, non? Enfin, je sais pas, moi je propose. Hein. Ouais. Oh, j'ai encore des bougies comme ça pour Noël que j'ai pas ajouté. Oh, c'est pas grave. Quoi, c'est tout? Les grosses canettes dégueu qui traînent. Oh, ça c'est bien ça. Truc de Xbox, non. Au moins que je peux le poser au-dessus. Ah ouais, non, je vais le poser là au-dessus. Comme s'il était plus ou moins rangé. Mettre des chemises ici. Ouais, non, c'est nul, ça c'est quoi ça? Non. Je réfléchis les gars, ce que je pourrais ajouter en fait. Des bouquins? Non. Je kiffe pas ce truc là. Livre de cuisine, non. Ah si, son smartphone, on va le mettre là. Son petit smartphone. Ouais non, ça vient comme ça. C'est bien comme ça, on retourne à notre bureau et ici, ça sera très bien. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter ici comme déco? Non? Je sais pas, je propose. Voilà. Non, oui, c'est bien. Mettre. Surface. Voilà. Un beau bureau. Qu'est-ce qu'on a comme bureau? Ouais, celui-là est pas mal. Hein. Celui-là est pas mal. On va mettre celui-là en attendant d'avoir le tout beau. Parce qu'il y a un tout beau qu'on pourra débloquer. On va le centrer un petit peu, voilà, par rapport au reste. Et on va mettre... pas l'électronique. Et on peut rajouter ici. Regardez-moi un peu tous ces trucs qu'on peut avoir. C'est trop cool. Hop. Non, pas le PC portable, je suis pas fan. On peut avoir comme ça avec la tour en dessous, mais non. Voilà, on va mettre celui-là. Et des petites décos.
Oh, c'est pas mal ça. On va mettre ça. Ça me plaît bien avec ça ici derrière. Voilà. Essayer de décorer un petit coup. Ah, meuble d'hôpital en bois. Ah ouais, j'avais dû débloquer ça à l'époque où elle était avec G. Ah oui, un coffre. Ouais, un coffre. Oh, je mets dans la chambre de Myriana. Elle a l'air trop, trop chouette. Voilà, ça c'est bon, ça. Le petit café à côté. Voilà, le petit café noir. Les petits bouquins. Là, j'ai de me dire que je pouvais rajouter même ces trucs-là. Pas à tout jeter ça au-dessus. Ah, voilà. Là, ok, il n'y a pas de slot, il n'y a pas d'autre slot. Je vais mettre ça là. Voilà, comme ça. Ça, c'est bien. Et ouais, c'est bon. Je crois qu'on va laisser ça comme ça, peut-être. Est-ce qu'on a une lampe ici? On n'a pas de lampe. Voilà, ça, c'est bien. Là maintenant on a un beau bureau, ça me plaît bien, ça me plaît, j'aime, je kiffe. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois remplir, avoir du charisme. Ben c'est pas grave, ben, on va faire bosser ça mec, hein. Et elle est roulée jeunesse. Hein. S'entraîner à faire un discours, et voilà. En plus il est de relativement bonne humeur, donc ça c'est chouette. Et on va se concentrer sur notre petite Révi, sur notre petite Myriana. On n'aura pas fait de la déco. On va demander un petit peu... faire un massage suédois. T'as mal au dos ma chérie, viens. Je te fais un petit massage. Hop. Oh. Mais dis donc, c'est qu'il est doué de ses mains, ce geek. Ah, ça va sûrement lui faire du bien. Il a acquis la compétence bien-être. Oh, mais c'est génial! Excusez-moi, je bois. D'ailleurs, c'est tout à fait l'application, je bois du thé. Je bois du thé, le thé Arizona Green Tea au miel. J'adore ce thé. Je sais pas vous si vous voyez lequel, c'est des bouteilles un peu vert turquoise, là, enfin vert menthe. Je kiffe. En plus, la pièce est bien décorée et tout. Donc ça, c'est nickel. Ça, c'est nickel. Ici. Comment est-ce qu'il s'en sort, notre petit? Il s'en sort quand même relativement bien. Il me semble, là. Il avance, oui, il avance bien. C'est vrai qu'il doit vraiment avoir pas mal de skills pour bien avancer. C'est bien, pour bien avancer sa carrière. Et devenir quelqu'un de bien. Et tu, comme je suis gentil, je vais te proposer un massage suédois. À toi aussi, Trévis. Parce que tu es gentil. Voilà, tu m'as... Et Malcolm qui a ramené... plein de fric. Oh mais purée, mais ce mec, c'est un gros connard, mais je l'adore. Par contre, j'ai une proposition à vous faire. Il reste un petit peu de temps, j'ai envie de relooker Malcolm. Je sais pas ce que vous en pensez. Parce que sa tronche m'insupporte. Donc, voilà. On va modifier un peu son apparence, ça pourrait être bien. Allez. Parce que là, ses cheveux et tout, il m'insupporte totalement, il est vraiment pas beau. Non, parce que j'ai fait près des tenues, voilà, comme ça, on va faire ça comme ça. On va, petit relooking, mais juste de Malcolm, on va pas faire les autres, les gars, il reste 5 minutes de let's play, donc voilà, on va pas exagérer. Je vous reprends quand on est... Oh, les amis, donc, hop,
Regardez-moi cette gueule immonde. On va essayer de lui trouver une autre coiffeuse parce que là, c'est abominable. Purée, les gars. C'est G. C'est limite G, mais on plus maigre, quoi. Non, je sais pas ce que vous en pensez. Ah, ça, c'est immonde. Ouais, non. Ouais, là, c'est déjà mieux. Purée, les cernes qu'il a, il est immonde. Il est vraiment dégueulasse. Bon, cette chemise improbable, purement immonde, que tu portes depuis 3000 ans. Ce serait peut-être temps de la... Ah ouais, ça, c'est beau, ça. Ça, j'aime bien. Avec un petit pantalon comme ça. What the fuck? Ce bug intersidéral qu'on vient d'avoir, les gars. Non? Je sais pas, je propose. Ouais, c'est pas très beau, hein. On va... Ouais, on va mettre ça. Ça, c'est... On va essayer de garder un petit look un peu snobinard, ça sera pour tous les jours, décontracté, voilà, avec un ouais, petit look snobinard. Voilà, comme ça. Ça c'est bien. Avec, on peut avoir des grosses bagues. Voilà, avec une grosse bague. Voilà, donc ça c'est pour tous les jours. Look plus habillé. Ah non! T'es dégueulasse, t'es vraiment dégueulasse. Je te toucherai même pas avec un gant, purée. Ouais, bof. Bon, allez, laissez cette coiffure qu'on a trouvée, là. Je crois que c'est encore celle qui va le mieux. Enfin, une des qui va le mieux. Hop. Oh non, pas rose, pas du rose sur un homme. Je suis désolée, j'aime vraiment pas ça. Ça c'est mieux, voilà. Les chaussures, ouais, noir, ok, c'est bien. Tenue de sport, ok. Ouais, on va juste modifier la couleur des chaussures. De toute façon, entre guillemets, bah, assortie, voilà. Tenue pour dormir, ok. Tenue pour faire la fête. Oh, c'est un snobinard, c'est magnifique. Non, je l'aime pas. Ça c'est, ouais, ça c'est bien. Et tenue pour la piscine. Pff. Il m'a mis sa coiffure dégueulasse. Ouais, il m'a mis sa coiffure bien dégueulasse. Voilà. Et on va mettre un truc autre que ça parce que c'est vraiment pas joli. Ouais, voilà, j'aime bien. Ça, c'est bien. Voilà, ça, c'est bien. Voilà le petit looking de Malcolm, les amis. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. C'est cool. J'ai vu qu'entre-temps, Myrena avait chopé un point de compétence en bien-être, ce qui est pas mal du tout. Ça fait plaisir quand même. Ça fait zizir. Bon, les amis, donc ici, Malcolm est relooké. Ah oui, non, mais il a pas relooké en fait. Pourquoi est-ce qu'il m'a pas mis quotidien A? Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. C'est déjà beaucoup mieux. Donc ici, est-ce qu'il bosse le lendemain? Il bosse le lendemain. On va regarder pour votre vide des trucs malicieux. Qu'est-ce qu'on pourrait lui faire faire? Je crois qu'on peut le faire troller sur les formes ou un truc du genre, non? Hop. Plus de trucs, non pas ça. Si je fais web. Bon, non, ça marche pas. Bon, on va regarder ici si on a des Sims un peu à aller embêter. On n'a pas de Sims à embêter? What the fuck? Ah, top. Bonjour, monsieur. Madame, monsieur. Monsieur qui est maquillé. Ok, d'accord, ok. Ça, c'est amical.
On va essayer en vitesse de le faire. Hop, malice. Bon, on le fait quand même un petit peu en même temps, ça peut pas être un mal. Malice. Mentir sur la carrière. Malice. Lancer une rumeur grotesque. Malice. Voilà. On va laisser faire ça comme ça. Lui. Il s'entraîne tout. Ah, il est presque niveau 4. Ça, c'est cool, ça. Et notre petit vieux, là. Oh là 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 là, qu'il est pas beau. Oh là 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 là, qu'il est pas beau. Qu'il est pas beau. Il est vraiment pas beau. Bon, c'est pas grave. Voilà. Hop, est-ce qu'il... Ah, ça c'est bien. Ça. Hop. Vas-y, prends une douche, mon chou. Est-ce qu'il a tout fait, lui? Ouais, c'est bon, hop. Ça, c'est bien comme ça. Bon, Malcolm va pas chipoter, on va le faire dormir, ça c'est bon. Hop. Comme ça, ça ne traîne pas. Mais je sais pas ce qui... Je crois que je vais dégager cet évier, parce que là, ils veulent tous l'utiliser, quoi. Je sais pas pourquoi, c'est vraiment relou. J'ai totalement zappé Myriana, c'est pas grave. On va vite aller manger un bout aussi. Par contre, elle veut... Ah, elle veut faire des choses avec Alexandre, ça c'est bien. C'est être amical et tout avec lui, on va essayer de réaliser ça. Mais je pense que nous devrons réaliser ceci dans un prochain épisode, à mon avis. Parce que, ben, on est déjà... Le temps qui nous est imparti touche à sa fin, mes petits sushis d'amour. Donc, voilà. Hein. C'est comme ça, ce sont des choses qui arrivent. Je vous fais des gros poutous. Prenez soin de vous. Et à la prochaine. Ciao, ciao!